Très bien, je vais rajouter une couche sur ce sujet, mais ça me bourdonne un petit peu dans les oreilles. Donc vous avez eu une vidéo qui titre avec 3000 pédocriminels dans l'église catholique française. Donc j'ai fait un petit sujet là-dessus, sur Guy Parmelin, sur ces choses-là, sur les relations entre l'église et les autorités, sur ce qui se passe en France, etc. Avec la campagne, on s'attaque à des musulmans en mettant même en avant l'église, et j'explique un petit peu toutes les choses. Donc je suis un petit peu fatigué, je m'en rajoute une couche. Donc aujourd'hui, on nous sort un article qui titre 200 000 personnes au final victimes de ces prêtres pédophiles en France, et après, quand on écoute, c'est 330 000. En fait, je ne sais pas si vous imaginez le chiffre que ça représente. Et voilà. Hier, il y avait un article qui disait: Ouh là là, on a ouvert ici le plus grand gymnase avec 1800 personnes qui en veulent 2000 bientôt. Ça représente une... C'est énorme au niveau de la quantité. Eh bien, ça, c'est tous les 6 mois en France. Vous voyez, depuis 1950, cet équivalent-là qui se fait violer par des prêtres. Donc voilà. Donc on a expliqué, les chiffres, ça donne environ 3% de prêtres. Qui sont des pédophiles, hein, donc c'est quand même énorme, c'est quand même, c'est pas un petit peu, hein. Donc voilà, et qui nous commettent presque des centaines de crimes, j'allais redire pédopsychiatriques, avec ce qu'ils m'ont collé, pédocriminels, comme ça. C'est énorme. Donc voilà, enfin, c'est même impensable, et soutenu par Guy Parmelin, j'ai expliqué. Alors, je n'ai pas retrouvé l'article, il me semble qu'ils ont donné 2 millions de francs, au Vatican, il y a encore pas très longtemps, possiblement en rapport avec cette armée, vous voyez, qui touche au Vatican. Donc voilà, donc je vais expliquer un petit peu ça. Je suis fatigué et après je ferai le sujet de mon voisin. Mais c'était important pour moi parce que j'ai l'impression qu'on vit une hypocrisie sur cette planète qui est énorme. Et je rappelle que la Suisse, pour moi, alors, bien qu'elle ait justement une histoire, mais c'est quand on a une histoire horrible, on la cache, on la camoufle, on essaie de la modifier, mais pas de la financer. Donc voilà, pour moi, on est dans un pays laïque, hein, où les athées ont aussi leur place et leurs droits. Et j'estime que typiquement, ben, des impôts qui viennent d'athées n'ont pas à financer le Vatican, ce genre de choses. Donc vous avez intérêt que ça ait été pris dans la religion, dans les impôts qui touchent à ça. Etc. etc. Il faudra m'expliquer comment on peut avoir des gardes suisses qui protègent ces gens-là. Donc j'ai expliqué. Donc ce débat, il part de la religion musulmane, du débat qu'il y avait eu avec Yacine Bellatar et notre... Voilà, le pota Zemmour. Et... alors je vais pas retraiter comme ça parce que ça part. Vous voyez, mais j'ai expliqué que Monsieur Pierret pourrait aussi se mêler de ça. Monsieur Pierret doit contacter TPMP par rapport à tout ce qui s'est passé. Et il va aussi parler de ça parce qu'il comprend pas qu'on parle pas de ça. De quoi déglinguer un type aussi comme Zemmour. Donc c'est pas. Donc on rappelle, quelqu'un comme Zemmour est complètement musulmanophobe, attaque en continu la religion musulmane, et on a quelqu'un comme Monsieur Yacine Bellatar qui est musulman, donc il se défend simplement. Donc moi j'ai simplement expliqué ça. J'ai jamais vu quelqu'un comme Monsieur Yacine Bellatar attaquer la religion chrétienne, ces choses-là, valeurs que des gens comme Zemmour soutiennent et. Donc voilà, et j'ai expliqué qu'au contraire, pour moi, ils représentent, bah, ces musulmans bien intégrés qui ne veulent pas appliquer la charia ou je ne sais pas quoi, comme nous sort des saloperies comme Zemmour. Et des gens comme Zemmour, bah, qui s'attaquent à cette religion-là et qui mettent en avant leur histoire et ce qui s'est passé, et si ça, eh bien, elle est belle l'Église. Hein? Donc les valeurs que vous prenez à la place de la religion musulmane, c'est buver de l'alcool et violer des gamins. Hein? Donc c'est ça, hein, au final. Hein? Donc j'ai expliqué, alors vous vous attaquez à une branche potentiellement islamiste, qui est la branche, on dirait la plus extrême qu'on peut avoir, on dira, chez les musulmans, et vous prenez ça en exemple, on dit, ah ouais, regardez, tu vois comme ça. Alors on va faire la même chose avec l'Église, vous voyez, c'est ce que j'explique. Hein? Parce qu'il y a une hypocrisie totale qui se passe. Hein? Donc moi je vais revenir un peu là-dessus. Alors j'ai expliqué mon avis moi sur l'Église. Pour moi c'est une escroquerie. C'est peut-être la plus grosse escroquerie du monde.
soutenu et financé par l'État, avec la complicité très claire de l'État. On rappelle que c'est toujours l'Église qui a toujours eu un peu le pouvoir, avec les rois, ces choses-là, dans les enfin, historiquement, ces choses-là, et que ce pouvoir a été un petit peu abandonné au profit de l'État, mais tout en gardant son rôle, etc., etc., qui n'a aucune validité. Hein, pas... Donc voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des églises partout qui nous font chier, qu'on a un État qui collecte des impôts pour ces gens-là, qui sont des vrais escrocs, qui font croire aux gens qu'il y a ci ou cela, qui donnent de l'espoir à des pauvres petites victimes en jouant même potentiellement sur leur soutien de santé ou les décès ou ces choses-là, pour leur racketter leur oseille. Parce que c'est ça, au final. Hein, en rappelant que moi je suis aussi une victime de ça, face à une mère complètement tarée et schizophrène pour moi, hein, qui est complètement dingue ou de ça. Hein. Donc je rappelle, hein, on m'a amené dans des camps pour les jeunes bibliques. Oh, je n'ai pas été violé, mais c'est un miracle. Hein, quand on voit les mathématiques, on discutera de ça après, de ces mathématiques. Enfin voilà, avec des gens qui tombent en transe par terre, des... enfin voilà, quoi. Hein. Donc c'est pas si je peux vous expliquer ça. Et vous, ben voilà, ben vous avez des gens comme ma mère qui donnaient des fois des 500 francs par mois à ces gens-là, vous voyez, donc il y a un culte, il y a une église, c'est buvez ce vin, c'est mon sang, et puis après on te récolte l'oseille. On peut même se demander, est-ce qu'ils bourrent pas les gens pour récolter de l'oseille? Non mais à la base, hein, t'es pas, t'es, buvez ce vin, c'est mon sang, on vous passe une cagnotte pour mettre de l'argent, voilà. Hein? Donc je rappelle, pour moi, c'est potentiellement une des plus grosses escroqueries qu'on a sur notre planète. Et vous attaquez l'autre partie qui... Enfin voilà. J'ai expliqué ce débat, il est né face à quelqu'un qui n'attaque pas la religion chrétienne, mais que... Enfin voilà. Et qu'il y a de quoi. Hein? Et que pour moi, il se défendait simplement. Mais on va rediscuter justement de ces choses-là. Donc voilà, donc j'ai expliqué, moi, des églises qui prennent une énorme place au milieu du village, moi, j'en ai pas besoin, qui sonnent pendant 45 minutes le dimanche matin, parce que c'est ça. Il y a une église qui fait chier pendant 20 minutes, il y a une autre à côté qui fait chier pendant 20 minutes, elles se font toute concurrence, et on t'emmerde tout le dimanche matin. À 10 h, ça sonne pendant 5 minutes. C'est tout à fait normal, hein, ces choses-là. Et ça n'a aucun fondement logique. En 2020, c'est pas... Donc voilà. Et on a quelqu'un comme Monsieur Guy Parmelin, c'est ce que j'ai expliqué, va nous jouer aux cartes avec ces gens de l'église il y a encore 2 jours. Hein? Sachant qu'il y a, étant donné qu'il y a deux personnes de l'église, environ une chance sur 15, si c'est pas plus, de se retrouver face à un pédophile. Hein? Parce que c'est pas qu'en France. Okay? Et on peut se demander pourquoi ici les scandales n'éclatent pas plus que cela. Donc voilà. Et c'est comme j'ai expliqué, pour moi, on a Monsieur Guy Parmelin qui a donné encore 2 millions, je crois, au Vatican, pour sa petite armée, je ne sais pas quoi. Or, je ne connais pas bien cette armée. Je ne sais pas si elle est que suisse, mais je crois qu'elle est majoritairement suisse. Hein? Donc encore cette année, il y a 43 gardes sur 1900, sur 135 qui ont été assermentés, on dira comme ça. Sur 135 au total, hein, je crois, hein, de l'armée. Hein, donc c'est possible que ce ne soit que des Suisses, ne me demandez pas. Mais vous voyez, moi je vis dans un pays qu'on dit laïque, hein, où on fait rien pour les athées, mais on fait tout pour l'Église. On leur donne même de l'argent, et on finance même une armée pour ces gens-là. Alors je ne crois pas que si on aurait des extrémistes islamistes, et que vous avez un pays qui est d'accord de payer une armée pour ces gens-là, eh ben c'est ce qu'on vient avec l'Église, au fait, mais dans l'autre sens. Donc c'est des choses qui ne vont absolument pas. Et je rappelle que des gens comme le pape prétendent avoir les preuves, ou ces choses-là. Donc que ces personnes les sortent, parce que on a aujourd'hui des armes, comment, des armes nucléaires et ces choses-là, qui vous permettent de vous détruire complètement toute la planète, et que ça risque bien de partir à cause d'une religion. Hein, donc c'est comme j'explique. Moi, mon point de vue, sincèrement, c'est cette personne doit sortir les preuves, ou on devrait même débarquer là-bas, comme vous avez fait dans certains pays islamistes, ou avec les talibans, hein, et envahir ce Vatican et regarder si c'est vrai ou si c'est une arnaque. Okay? Et si c'est une arnaque, la place du pape et de tous ces gens, c'est en cellule. Je présente mes excuses. Hein. Donc voilà. Hein. Et moi... Ben, j'en ai ras le cul de soutenir tout ce bordel, moi ça a détruit ma vie, hein, d'avoir une tarée perchée qui va à l'église, qui croit que tous les problèmes se règlent en priant,
Et si ça, quoi, c'est pas. Donc voilà. Et je crois que ben, au jour d'aujourd'hui, on est en droit de demander des vraies réponses à ces gens-là et de ne pas soutenir, et encore moins militairement. Donc voilà. Donc on a un certain monsieur Guy Parmelin qui finance, qui soutient même l'armée de ces gens-là, qui sont majoritairement à la base des pédophiles. Hein. Donc l'Église catholique française, ça nous vient pas de je sais pas de l'école italienne du coin. Hein. C'est ça fait partie du pape hein. Et des gens qui sont protégés par des gardes suisses. Hein. Donc voilà, dans un soi-disant pays laïque. Donc voilà, donc c'est des choses qui ne vont plus. Hein. Donc voilà. Et j'ai expliqué. Donc on, enfin voilà, c'est juste pour ajouter une couche un peu là-dessus. Et moi, je crois que ça a totalement son débat maintenant sur la place française. Quand tu vois qu'il y a ces choses-là, en pleine élection, où on a un taré qui veut interdire aux gens de s'appeler ci, ça, et qui vise des gens qui ont le droit d'avoir une religion, au profit d'une soi-disant culture qui ne vaut pas mieux. C'est donc voilà. Hein. Mais je rappelle, ces gens-là sont pleinement soutenus par Guy Parmelin, comme un petit mouton qui se dit des fois, enfin voilà, t'es pas. Hein. Mais ces choses-là, c'est totalement anormal, et moi je les mets au même titre, mais à l'inverse, que des gens qui seraient extrémistes islamistes, qu'on soutiendrait, on donnerait de l'argent, donc même considérés comme terroristes, hein, pour moi potentiellement, qu'on donnerait de l'argent et on financerait une armée, et on ferait ça, voilà. C'est pas. C'est ce qui se passe, moi, pour moi, avec l'Église catholique ici. Hein, donc voilà, étant donné qu'on est censé être dans un pays athée, maintenant, hein, enfin, laïque. Donc voilà, donc c'est pas normal qu'on se retrouve dans des pays qui détruisent la religion musulmane et qui mettent en avant la leur, et ça, ils n'en ont rien à foutre des athées. J'ai expliqué, nous, les athées aussi, hein, on aimerait de l'aide. Alors moi, je veux 2 millions de francs, vous voyez maintenant, la somme que vous avez donnée au Vatican, afin de créer des potentiels. Le machine qui permet de prouver qu'il y a une vie après la mort. Moi, je ne la remets pas en question. Hein. Pour moi, il y a assez de preuves scientifiques et on peut fabriquer des outils maintenant. Hein. Avec tout un tas d'applications qui peuvent servir au public, vous voyez. Hein. Dont que les athées seraient forcément très heureux d'avoir, vous voyez. Donc voilà. Donc, faut mettre un petit peu pour tout le monde. Faut pas financer les choses comme des pingouins. Mais moi, j'ai l'impression que notre Guy Parmelin, c'est la totale. Hein, quoi. Parce qu'il n'y a pas que là-dedans. Donc voilà. Mais ça me réénerve encore, parce que ça m'a énervé quand j'ai vu ce 3000 machin. Et je rappelle que ça, c'est les crimes minimales. Donc voilà. Hein. Mais pleinement soutenu par la Suisse. Je suis désolé. Et financé. Hein. Et même protégé. Alors que ça devrait être l'inverse, surtout dans le temps qui court maintenant. Et pour moi, si on est réaliste par rapport à ce qui se passe, et droit, et pas de mauvaise foi, et qu'on se prétend se foutre au milieu, par exemple, entre ce qui se passe avec la religion musulmane et le christianisme, hein, eh ben on doit agir au même titre qu'on agit face à des talibans qui empêchent des gens d'aller à l'école ou de se voiler ou si ça, ok? On a une église qui ment potentiellement à toute une population, des millions et des milliards de personnes, les escroque, profite de la faiblesse potentiellement de ces gens et les viole. C'est magnifique, hein? C'est, hein? Donc voilà, pardon, là, point de vue d'un athée qui dit les choses. Et ça, je rappelle, soutenu pleinement par la Suisse et par notre Guy Parmelin, tout fier d'aller croiser le pape. Donc voilà. Donc je vais vous publier l'article qui est celui où ils a eu les 43 soldats suisses, nouveaux soldats suisses, si on peut parler de soldats, qui protègent potentiellement le chef d'un réseau pédophile. Donc voilà. Je le tourne comme ça, pardon, hein, au même titre que vous pourriez accuser ces islamistes. De chef de réseau terroriste ou ce que vous voulez. En rappelant que moi je ne suis ni pour la religion musulmane, ni pour le chrétien, je suis pour aucune religion. Je suis pour la science. Vous voyez, c'est pas. Et on vit dans des périodes qui sont comme ça. Vous voyez, c'est pas votre Jésus-Christ. Alors vous allez dire, ah oui, c'est lui qui a trouvé le vaccin pour le corona. C'est lui. Il n'y a pas, ok. Il faut arrêter maintenant. C'est délire et c'est. Donc voilà. Mais c'est pas, enfin voilà. Mais c'est affligeant quand on voit ce qui se passe, quoi, et qu'on laisse faire ça. Et j'ose même pas imaginer ce qui se passe en Suisse. Mais quand vous voyez comme ces gens sont protégés par les autorités suisses, ces gens-là pourraient tout faire. Hein. Donc le chiffre qu'il y a eu sur les pédophiles depuis 70 ans que vous avez en France, vous pouvez très facilement,
Je suis désolé, le calquer exactement sur la suite en divisant par rapport à la population et au nombre de voilà. Sauf qu'ici, il n'y aura jamais rien parce que c'est un pays complètement pourri, hein, qui, comme je viens encore de le dire, soutient ces gens-là. Donc voilà, jusqu'au président de ce pays. Donc voilà. Pardon, c'était le petit truc. Et après, je vais faire, je pense, cette nuit, la merde de mon voisin. Quand j'irai un peu mieux, je serai un peu calmé. Mais je vais rajouter ça, parce que c'est des chiffres quand même énormes. C'est, enfin voilà. Ça représente près 500 enfants par mois qui se font violer, potentiellement. Hein, pendant 70 ans. Hein? Donc moi j'estime qu'il est anormal que mon pays soutienne ça et qu'on donne quoi que ce soit au pape et qu'on protège cette personne étant donné qu'on est censé être un pays laïque. Voilà. Et j'aimerais savoir, parce qu'il me semble qu'il y a eu une somme qui a été donnée au Vatican, si cette somme vient des impôts collectés pour ces gens qui pratiquent cette religion. Dans ce cas-là, moi, j'estime que bah, ces gens ont à rembourser la somme, que c'est notre Guy Parmelin qui nous fait n'importe quoi, peut-être simplement pour aller dire bonjour au pape, et que cette somme n'a pas été donnée si on est dans un pays qui est. Donc voilà, je suis prêt à toutes mes excuses. Pas. Donc voilà. Et encore plus si c'est pour soutenir un réseau potentiellement de pédophiles. Parce qu'on peut appeler ça comme ça, hein, quand on parle plus de 5 000 pédophiles là dans l'église, hein, c'est pas. C'est ça, hein, que ça représente. Sur ce. Enfin voilà, c'est des chiffres énormes. Donc voilà, c'est pas. D'ailleurs, il faudrait peut-être prendre au prorata des gens, des gamins qui sont passés dans l'église. C'est possible qu'on arrive à des 10% des gens qui. Enfin voilà, c'est quand même une énormité. Donc voilà. Et malheureusement, ben, pour moi, il se passe la même chose en Suisse. Et pour moi, c'est le bon moment d'en parler. Surtout par rapport à cette campagne. Et je comprends pas comment la France, les Français. Ne sont pas arrivés là-dessus, etc. Et ça prouve vraiment à quel point, ben, vous voyez, ben, les gens qui se défendent face à un Zemmour qui attaque la religion musulmane, mais qui ne sont pas des islamistes, parce qu'à la base, ces gens diraient plutôt, non, c'est nous qui avons raison et les chrétiens qui ont tort. Hein? Ce que nous fait un peu l'Église ici avec la religion musulmane. Hein? Donc voilà. En rappelant que ma maman est dans l'Église évangélique, qu'on peut partir, considérer comme les extrémistes de. Voilà, pas, hein. Mais voilà ce que vous soutenez, et moi je trouve ça dégueulasse face à des gens qui crèvent, qui peuvent même plus bouffer dans ce pays, qui ont plein de problèmes, et voilà, c'est pas, hein. Donc c'est, voilà, mais c'est qu'on explique un pays qui va plus du tout. Moi je pense que la Suisse ne va pas durer longtemps en se comportant comme ça. C'est comme j'explique, ça va faire comme Kadhafi a dit, ça va faire un bout pour l'Allemagne, un bout pour la France, un bout pour l'Italie, c'est ce que mérite. Au mieux ce pays et les citoyens de ce pays qui se font opprimer par ces autorités pourries et nazies. Hein? Au même titre que M. Pierre qui hurle à l'assassinat face à ceux qui fuient. Hein? Donc voilà. Après, c'était le petit sujet, je rappelle, avec le soutien pleinement de M. Guy Parmelin, président de la Confédération suisse, qui fournit même une armée à ces gens-là. Donc voilà. Et j'explique, aujourd'hui, on ne ferait plus, si vous voulez respecter ce que vous faites avec les extrémistes de la religion musulmane, vous devriez faire la même chose avec les extrémistes de ce. Et envahir le pape. Et aller regarder qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et montrer. Voilà. Et après, ben, vous voyez, ben, les extrémistes, vous les butez avec des drones. Hein. Moi, je ne peux pas buter le pape, je ne suis pas pour. Mais pour moi, sa place est en cellule. Hein. Potentiellement, face à un escroc, la plus grande escroquerie, hein, chez toute son église. Hein. Qui a amassé des fortunes en se servant de la misère des gens. Hein, il y a potentiellement des gens qui avaient des maladies, qui vont prier, des gens qui sont décédés, ou si ça, avec la misère du monde. Okay? Et j'explique, ces gens prétendent avoir les preuves, alors qu'ils les sortent, on est dans un temps où la planète pourrait être détruite à cause de ces petites guéguerres, de ces trous de cul. Donc voilà. Et j'aimerais bien qu'on respecte justement les règles de ces pays laïcs et si ça, et pas que non, parce qu'au final, c'est pas vrai. On est dans un pays soit catholique ou protestant, bien qu'ici ça soit cantonal, mais c'est pas vraiment laïque, vous pouvez me dire ce que vous voulez, parce que si ça serait laïque, vous donneriez pas au Vatican, vous donneriez pas une armée à ces gens, ou alors si, mais à ce moment, il faut soutenir aussi les talibans. Je vous présente mes excuses, hein, c'est pas. Hein, donc voilà. Bref, pardon, je sais pas. En rappelant que même si moi je suis pas pour les religions, je rappelle, je préfère une religion
qui dit pas buvez de l'alcool et qui viole pas des gamins. Et je crois pas qu'on ait eu des problèmes avec l'islam. Vous voyez, vous faites chier pour des histoires de voile. Mais vous, derrière, bah, vous c'est le contraire. Vous déshabillez les gens, après ils violent, vous les violez. C'est vrai que c'est mieux. C'est vrai. Hein? Donc voilà. Voilà ce qu'est l'Église. Voilà ce que soutiennent les débiles dans ce pays, simplement parce qu'ils sont nés là, là, là. Et puis qu'ils ont, je sais pas si c'est par peur, crainte ou je sais pas quoi. Hein, mais au final, pour moi, c'est la plus grosse escroquerie du monde. Et ces choses peuvent. Voilà. C'est pas. Mais c'est comme moi, je pense. C'est pas. Et voilà. Mais c'est juste simplement pour vous donner les chiffres et ce qui se passe. Et je ne crois pas qu'il faille étouffer ces débats à une période où on a un Zemmour qui veut nous virer tous les musulmans et imposer ses valeurs et les valeurs de la France et ce que ça a toujours été et revenir. Comment c'était à l'époque avec cette personne très réac. Donc voilà, parce que cette personne, je suppose que si, enfin voilà, c'est pas. Donc moi j'aimerais qu'on puisse. Voilà, c'est le débat. Et ça montre bien pour moi qu'il n'y a pas. On a réellement quelqu'un qui attaque la religion musulmane, mais on a des musulmans qui défendent simplement leur religion et qui n'attaquent même pas l'autre religion. Hein, pas, et voilà. Et franchement, il y a deux camps. Et je pense que ça retournerait aussi potentiellement un petit peu le débat, et ça montre réellement que c'est justement pas pour moi de ces islamistes et tout ça, et qu'au contraire, ils respectent la laïcité et que c'est des gens bien intégrés. Donc voilà, c'est pas. Mais voilà, c'est simplement la réalité. Donc c'est ce qu'on vous explique. C'est pas parce qu'on est flic ou procureur qu'on n'est pas un assassin et un énorme pourri. Hein. Donc moi, j'en suis la preuve vivante. Et c'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est une bonne personne ou qu'on est prêtre. Et on en a la preuve là. C'est des chiffres énormes, je ne sais pas si vous imaginez. C'est ben voilà, c'est l'équivalent chaque mois en France d'une école entière qui se fait violer, d'une grande école. C'est tout le monde s'en fout. Voilà. Ça passe même pas à la télévision française, j'ai même pas vu ça avant. Pourtant, pour moi, ça fait vraiment, vraiment partie du débat actuel. Donc je rappelle avec le soutien de Guy Parmelin.